En quoi tu en nous ne pas car tôt que tu n'as qu'à ne samnaka. Sous day, l'eau serait comme bun, ta ban trim clon rehire nœud, donc n'a pas eu top, n'a pas eu de tête, n'a pas eu de sous đây lúc đây không bướn บ่ជំរាបពីគីនឹងសាធារណជនថាបញ្ហាប្រព័ន្ធសត្វទោះនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនោះមានបញ្ហាឥឡូវនឹងកំពុងតែពិនិត្យដើម្បីភ្ជាប់ឡើងវិញ Hello bạn. Hello. Số đây lúc này không bướn, ta lúc này sẽ đáp bàn thế. Ta sẽ đáp bàn cho tôi biết số lượng tiền. បាទឥឡូវនេះយើងបន្តនីតិវិធីសមនការរបស់យើងនៅរុស្សីនេះនៅលោកស្រីចាបាទតទៅនេះអំពាវផ្ដល់វិធានការជូនទៅដំណាងសាប់រញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការតាំងសម្រួលនៃដាល់ចំពោះសាក់សី
Merci et bon après-midi, Madame le témoin. Je voudrais une dernière fois revenir à ce qui s'est passé à Wat Champa Le. Vous avez dit tout à l'heure que les évacués de Phnom Penh y avaient été rassemblés. Et il y a aussi le document E3-2048, émanant de Beun, vous-même, où il est dit que le père de Kyu Soka avait été limogé ou retiré par l'Ankar à Wat Champa. Je voudrais maintenant vous lire ce qu'un cadre qui a travaillé au bureau du district de Tramkak a dit. C'est le témoin de TCW 822. Et le procès-verbal d'audition porte le numéro E319.1.32. Voilà ce que ce cadre du bureau du district a dit à la réponse 113. Et je vous demande de bien écouter. Je cite. Les Khmers rouges ont alors proclamé leur victoire. On a conquis Phnom Penh. Ensuite, ils ont expulsé les habitants de Phnom Penh et les ont déportés dans la pagode de Champa Le, qui se trouvait à l'ouest, à 3 km de Ang Ta Som, district de Tramkak. Ils ont demandé aux officiers gradés de l'ancien régime de s'inscrire sur une liste pendant 7 jours. Une fois que ceux-là se sont manifestés, ils les ont fait disparaître sans laisser de traces et ont ainsi décimé des centaines et des milliers d'officiers gradés jusqu'à extinction. Il ne restait même plus de sous-lieutenants ou de lieutenants. Il ne restait plus que de simples habitants qu'ils ont laissés rentrer à leur village natal. Fin de citation. Est-ce que cette déclaration d'un cadre du bureau du district de Tramkak vous rafraîchit la mémoire concernant le fait qu'à Wat Champa, les officiers de l'ancien régime ont été identifiés et emmenés. Deux témoins, Keo Chandara et Ta Chim Agaspokchim, ont mentionné que Tamok était sur place à Wat Champa. Est-ce que c'est une chose que vous avez également entendue? Je vais revenir maintenant au document E3-2048. Mais une autre page cette fois-ci. Et avec l'autorisation de la Chambre, on pourra sans doute faire afficher le document dont je vais lire les IRN à l'écran. En Khmer, il s'agit de l'IRN 00079090. En anglais, 0027-6563 jusque 64. Et en français, 00611660. Alors, je ne vais pas tout lire, mais une partie. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut le faire afficher à l'écran? Merci. Merci. Alors, il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par Chorn, a priori
votre mari, de la commune de Popel, au début mai 1977, à l'encart de district. Donc on est toujours à la même période que tout à l'heure, c'est-à-dire fin avril, début mai 1977. Je vais citer une partie du rapport de Chong, au numéro 1. Je cite, « Il y a 64 familles d'habitants du Kampuchea Krom et des habitants échangés contre des Vietnamiens, soit 668 personnes. » Deuxièmement, 106 familles des soldats de l'ancien régime, soit 393 personnes ont été écrasées par l'encart et sont mortes. 3. Il reste encore 631 familles de soldats de l'ancien régime, soit 896 personnes. Il y a au total 1513 personnes. Je tiens à préciser à l'intention du parti qu'il reste un certain nombre de familles qu'on n'a pas encore bien examinées pour savoir si elles étaient affiliées aux militaires de l'ancien régime ou non. Fin de citation. Est-ce qu'ici votre mari, comme vous-même et tous les chefs de commune, avait reçu pour instruction du district de répertorier deux types de personnes? D'une part, les Khmer Krom, les habitants échangés contre des Vietnamiens, et d'autre part, les familles des soldats de l'ONNOL. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, Madame le témoin? Est-ce que des instructions du district avaient été envoyées pour établir des listes et des statistiques de Khmer Krom et de soldats de l'ONNOL dans les communes, à l'image de l'extrait du rapport envoyé par Chon que je viens de lire? Est-ce qu'il y avait plus de familles de Khmer Krom qui habitaient à Popel dès lors, dans la région, dans la commune qui était dirigée par votre mari? Est-ce qu'il y a eu en avril 77 et en mai 77 une vague d'arrestation d'anciens soldats de l'ONNOL dans les communes du district de Tram Kak sur la base de l'ensemble des documents que j'ai déjà présentés? Madame le témoin, est-ce que vous pouvez me dire si, à cette période-là, d'avril et mai 77, il y a eu une vague d'arrestations à l'encontre des soldats de l'ONNOL dans les différentes communes de Tram Kak? Je suis venu à la maison de
Mình miên tì. Tout à l'heure, j'ai lu un rapport que vous aviez établi concernant justement des militaires de l'ONOL à la même période. Est-ce que vous nous dites alors que c'était une simple coïncidence ou bien est-ce que c'était, comme je pense que vous l'aviez dit tout à l'heure, des instructions de la part du district de nettoyer les soldats de l'ONOL? Xong mình chạm mặt đau tiệt sẽ đạp mặt bàn. Oui, tout à l'heure, je vous ai lu un rapport que vous aviez envoyé au district concernant des militaires de l'ONOL en avril 77. Et vous avez également dit tout à l'heure qu'il y avait des instructions qui venaient du district concernant le nettoyage de ces soldats de l'ONOL. Vous dites maintenant qu'il n'y avait pas ce genre de cas dans votre commune. Est-ce que vous confirmez au contraire, il y avait des instructions en ce sens de la part du district, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Bon, nous allons encore voir dans la commune un peu plus loin, celle de votre mari. Il y a donc un autre document, il y en a beaucoup d'autres en fait, mais je vais choisir le E3-2433. C'est un rapport établi par Chorn de la commune de Popen, qui est daté du 3 mai 1977. Les IRN en Khmer, c'est 00270979. En anglais, 00322121. Et en français, 00833780A81. Ici, il s'agit d'un rapport envoyé par Chorn qui identifie un soldat associé aux Américains et qui précise que sa femme et son enfant seront amenés à Ankar, à l'Ankar, le jour d'après. J'ai une question à propos de cela. Était-il commun sous le régime du Kampuchea démocratique que lorsqu'on arrêtait des soldats de l'ONOL, l'on arrête également les membres de leur famille? Thank you, Mr. President. I object to this question. The witness can only testify as to what she saw and experienced in her commune and possibly later her district. She cannot testify as to what happened in the whole of Democratic Kampuchea. And being on my feet, I think would be beneficial to the witness if the prosecution asks simpler questions. I am sometimes not even able to follow the question. However, the objection is relating to this specific question that asks for speculation. Madame le témoin, si je peux répondre, Monsieur le Président, je ne vous demande pas de spéculer. Vous avez assisté à de nombreuses réunions au district. On vous a dit, on vous a donné des instructions en matière de sécurité. Je vais reformuler cette question. Était-il habituel
au niveau du district lors des réunions, on dit qu'il fallait arrêter les membres de la famille des soldats ennemis. J'ai lu tout à l'heure un extrait de votre procès-verbal d'audition, la réponse 254. Vous avez dit que des biographies étaient établies. Pour rechercher les enseignants, les policiers, militaires ou fonctionnaires du régime de l'ONU. Ça, c'était après 17 avril 1975. Maintenant, je suis en 1977 et je vous demande si en 1977, il y avait des instructions données par le district, le chef de district, concernant l'arrestation, l'identification de soldats de l'ONOL et de leur famille. Était-il habituel d'arrêter également les membres de la famille de ces soldats de l'ONOL? Que savez-vous de l'arrivée dans le district de Tramkak de Khmer Krom suite à un échange éventuel de Vietnamiens contre des Khmer du Kampuchea Krom? Est-ce que vous avez vu arriver dans votre commune ou dans les communes voisines des Khmer Krom en échange de Vietnamiens? À la réponse de 126 de votre procès-verbal d'audition, vous avez dit qu'il y avait deux ou trois familles Khmer Krom dans votre commune qui avait vécu au district de Kirivong et que c'était des résidents de Phnom Penh, mais que vous aviez également entendu qu'il y avait des Khmer Krom qui vivaient dans d'autres villages. Est-ce que vous avez jamais entendu au district ou au secteur qu'on préparait l'arrivée de Khmer Krom en provenance du Kampuchea Krom et échanger contre des Vietnamiens? Vous avez dit aux réponses 252 et 253
de votre procès-verbal d'audition que s'agissant des Vietnamiens et des Khmer Krom, on n'en parlait pas lors des réunions normales au district, mais qu'il y avait des réunions plus secrètes qui se tenaient aux endroits où se trouvaient les Vietnamiens et les Khmer Krom. Comment avez-vous su que des réunions portaient sur la présence et le sort des Khmer Krom et des Vietnamiens dans certaines communes de Tram Kak? Est-ce que d'autres chefs de commune, ou bien lors de réunions au district ou au secteur, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait eu des instructions qui avaient été données pour établir les listes de familles de Vietnamiens et de familles de Khmer du Kampuchea Krom? Bon, nous allons voir, je ne vais pas faire la liste de toutes les listes de Kampuchea Krom qui figurent au dossier. Je vais en choisir trois comme exemple. Et je voudrais également les faire afficher progressivement à l'écran. Il s'agit tout d'abord du document E3-2438. Il s'agit d'une liste de familles du Kampuchea Krom de la commune de Kou, établie par un certain Yi, le 29 avril 1977. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut afficher au moins la première page de cette liste? Et peut-être que Madame le témoin pourra se référer aussi à la liste qui a été communiquée. En l'occurrence, je ne vais pas citer d'IRN pour chacun de ces documents, parce que ce sont des documents qui comportent une longue liste, chaque fois, de familles du Kampuchea Krom. Donc ce document-là, E3-2438, comme les autres, concerne des Khmer Krom, venant essentiellement de Phnom Penh, qui étaient des militaires de Lon Nol. Autre document, E3-2281, c'est une liste de 73 familles Khmer Krom de la commune de Trapping Tom Chung, établie toujours à la même période, le 4 mai 1977, par les autorités de la coopérative. Et enfin, troisième liste, E3-2262. C'est une liste qui est partielle, mais une liste qui comporte, qui fait état de 64 familles Khmer Krom établies dans la commune de Popel, celle de votre mari Chorn. Cette liste mentionne chaque fois le nom du mari, le nom de la femme, le nombre d'enfants, la commune de naissance,
la profession ou le grade dans l'armée de l'ONU, le lieu de résidence, ici à Popel, ainsi que la provenance, que ce soit Phnom Penh, le Vietnam ou le Kampuchea-Krom. Madame le témoin, nous avons un certain nombre de ces listes établies par les communes du district de Tram Kak, qui sont similaires et qui datent de la même époque. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur le fait qu'il y a eu des instructions émanant du district 105 concernant l'établissement de telles listes? Madame, vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y avait des réunions trois fois par mois au niveau du district. Nous n'avons pas encore parlé des réunions au niveau du secteur, mais vous avez dit également que vous y assistiez. Est-ce votre déposition aujourd'hui que ces questions concernant les Khmer Krom n'ont jamais été abordées lors de ces réunions? Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelait San Lorn, alias Lan, alias Mui, qui vivait dans la commune de Ching Thorn et qui était le beau-frère de Tamok? Bien, je vais vous lire ce que cette personne a dit dans un procès-verbal d'audition E319-13.3.60. Il a été confronté à un témoignage et en réaction à ce témoignage qui lui a été lu, San Lorn a dit avoir obéi aux ordres du district de Tram Kak et transporté des gens, en réalité des Vietnamiens, de certaines communes vers le bureau du district. Je vais citer plus précisément. Réponse à 454 en anglais. Je cite. As for transporting people, I didn't know. The senior ranking cadre used me, so I just did it. They used me. I just obeyed them. Answer 475. Where did you bring all those people from? Answer 475. I collected them from the communes. Question 476. When you went to the communes, had those people been made ready for you? Answer, yes. They were waiting at the commune offices. Question 477. Who handed those people over to you for transportation? Answer. The commune chiefs handed them over, and P was to receive them. Question 478. From which communes did you transport people? What were the names of the commune chairpersons? Answer 478. The communes included Popel, Lei Bo,
Ching Tong, and Ko. And of course. Et Sanlorn cite ensuite votre nom comme étant chef de commune de Ching Tong. Ensuite, à la réponse 488, il a dit qu'il avait entendu que ces gens avaient été emmenés pour être éduqués ou renvoyés au Vietnam et qu'ils ne savaient pas trop. Alors, nous avons quelqu'un qui dit qu'il a convoyé des Vietnamiens depuis les communes de Ching Tong et de Popel et d'autres communes vers le bureau du Tram Kank. Est-ce que vous vous souvenez si oui ou non cela s'est produit? Thank you, Mr. President. Maybe I wasn't able to follow completely what the prosecution was trying to do, but the sequence of things was that the witness was shown three alleged lists of Khmer Krom families. Now she's being read part of a statement of Son Lorn, but he seems to speak about Vietnamese families being apparently repatriated to Vietnam. So I'm not quite sure if this is a logical sequence or whether the witness understands that we're not talking about Khmer Krom anymore, but we're talking about Vietnamese families. Maybe I didn't follow it well, but that's how I understood it from the way the question was phrased. Effectivement, Madame le témoin, là je parle de famille vietnamienne. On a parlé tout à l'heure d'échanges entre le Vietnam et le Cambodge, entre donc Vietnamiens d'un côté et Khmer Krom de l'autre. Vous aviez entendu parler, c'était des rumeurs. Ici, je vous ai lu une partie des témoignages d'un cadre de Tram Kak qui dit avoir transporté des Vietnamiens de certaines communes vers le bureau du district. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous souvenez de cet événement, à savoir que les Vietnamiens étaient pris dans les villages et les communes et étaient amenés au bureau du district de Tram Kak? ខ្ញុំសូមឆ្លើយទី1គឺខ្ញុំឆ្លើយសូមឆ្លើយអំពីឈ្មោះដែលអ្នកថាដឹកនាំនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ទេអត់ដែលមានឈ្មោះហ្នឹងទេសាន់អីមិញមិនមានទេទី2ក៏ដោះដូរនេះខ្ញុំក៏មិនបានចាំដែរខ្ញុំវាជាពេជ្រពិលខ្ញុងពេលលុះខ្ញុំក៏សុខភាពអត់ល្អខ្ញុំអត់ចាំទេ Ce n'était pas San, c'était. J'ai donné son nom complet, je crois qu'à l'époque on le connaissait sous le nom de Lorn. L-O-R-N, L-A, accent circonflexe N. Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Lorn. សាតែមកតោះឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីគង់តំបន់បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាឈ្មោះដែលតំណាងសាប្រញ្ញាលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺជាឈ្មោះដែលត្រូវការពារដោយសំណុំរឿងផ្សេងដូច្នេះសូមសាប្រញ្ញាមិនគួរលើកពីឈ្មោះនេះចំទេបាទសូមអរគុណ And in addition, Mr. President, his last name is Sun. Now we're going to speak about it again. But, yeah.
Je vais avancer, Monsieur le Président. Vous avez dit, Madame le témoin, que vous n'avez été nommé chef adjoint du district qu'à partir d'octobre 1978, pour environ 3 mois avant l'arrivée des Vietnamiens. Pouvez-vous nous dire alors qui était le chef adjoint de Ta San, donc le chef du district, entre le début de l'année 1978 et octobre 1978? កាលនោះសានគឺមានតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំសុំជម្រាបដល់លោកប្រធានដែលឈ្មោះរ៉ាន់ជាគណៈតំបន់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកត្រាំកក់ហ្នឹងគេចោះជាប់ហៅថាចោះជាប់ក្នុងស្រុកត្រាំកក់ហើយមានឈ្មោះសានហ្នឹងហើយ 78 que j'ai entendu que vous avez parlé de Lorn ou bien de Ron au niveau du secteur. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de la personne que vous avez mentionné au secteur? Ron ou bien Lorn? Ron. Très bien, ça n'avait pas été très clair en français. Lorsque vous êtes devenu chef adjoint du district, en plus d'être chef de commune, est-ce que c'était une lourde responsabilité et est-ce que ça vous donnait beaucoup de travail? ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដឹកនាំធ្វើស្រែប្រាំងដឹកនាំដាំដំណាំផ្សេងៗតែមួយផ្នែក. Et qui, au niveau du district, sous la direction de Ta San, s'occupait du travail lié à la sécurité et aux ennemis internes et externes? Qui exactement s'en occupait? Bien, je voudrais revenir encore sur quelque chose que vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition, la réponse 212. Donc c'est toujours le procès-verbal d'audition E319-12.3.2. Vous avez dit dans cette réponse qu'à l'époque du régime des Khmers rouges, certaines lettres étaient des faux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez préciser quel genre de document était susceptible d'être falsifié à l'époque? ខ្លាញ់ខ្លាយលោកចង់នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រធានកាលថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទៅជួបដែលការអញ្ជើញខ្ញុំមកភ្នំពេញតាំងលើកមុនហ្នឹងការសួរអង្កេតហ្នឹងមានសម្បត្តិមួយដែលគាត់លើកបង្ហាញខ្ញុំថាសម្បត្តិនេះជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំ
ហើយតែខ្ញុំយកមកមើលថាមិនមែនជាអសខ្ញុំហើយគ្មានហត្ថលេខាទៀតបានខ្ញុំកំណត់ថាសម្បត្តិនេះជាសម្បត្តិខ្លែងខ្លាយចង់និយាយថាមានការទំនាស់ឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងនឹងទើបដល់របស់ខ្ញុំ Vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition que des lettres étaient délivrées entre la commune et le district par des messagers qui travaillaient pour le bureau de la commune, pour le bureau du district. Est-ce que les messagers avaient le droit d'ouvrir les courriers? Étant donné que seuls ces messagers que vous connaissiez étaient habilités à délivrer les lettres entre la commune et le district, est-ce qu'il aurait été possible que ces lettres-là soient falsifiées ? Si une personne inconnue de vous, ou du district et qui n'avait pas l'autorisation de circuler dans le district se présentait à vous ou se présentait au bureau du district avec des documents, que serait-il arrivé? Est-ce que vous vous seriez méfié? I object to this question. It's double, asking for a double speculation. The witness cannot answer such a hypothetical situation. It's asking for speculation. Plus, it rules out also the possibility that forgeries are originating post-79. So, on all kinds of levels, this question is not authorized. The channel came to Taman Kuanya of Minka Susum no Babniti. Je ne crois pas, mais je vais la reformuler. Est-ce qu'à l'époque, vous avez entendu que des gens avaient été arrêtés parce qu'ils prétendaient être des messagers entre l'une des communes de Tramkak et le district? Est-ce que cette situation est arrivée? Tout à l'heure, vous avez dit comme exemple à propos des faux que vous n'aviez pas reconnu votre écriture ainsi que votre signature sur un document. Mais vous nous avez dit tout à l'heure également qu'il y avait quelqu'un du bureau de la commune qui écrivait à votre place et sous vos instructions. Comment est-ce que vous pouvez dire alors que le document que vous avez vu était un faux? Est-ce que vous avez envisagé le fait que ça pouvait être quelqu'un de votre bureau qui l'avait écrit?
Donc avant d'envoyer par exemple un message au district, vous aviez toujours le contrôle sur le contenu de ce message. C'est bien correct? Bien, vous avez dit aux réponses 198 et 201 de votre procès-verbal d'audition que vous connaissiez l'écriture de Ta'an. Et quand je dis Ta'an, je fais référence au directeur de Krang Ta'chan. Vous avez dit à propos d'un document que ce n'était pas l'écriture de Ta'an et que vous connaissiez. Vous aviez l'habitude de voir son écriture. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel type de document écrit par Ta'an vous avez reçu en tant que chef de commune ou en tant que membre du comité du district? ខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ដោយខ្ញុំធ្លាប់នៅរៀនសូត្រនៅផ្ទះហូមជាមួយគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់តែការតាក់ទងជាឯកសារអីពីខាងមន្ទីរហ្នឹងមកគឺមានតែយូរៗមានម្ដងតែខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់តាំងពីដើមមក Les enquêteurs des juges d'instruction vous ont montré le document E3-2012. Et je voudrais également que vous puissiez le consulter, si vous l'avez devant vous, madame, et demander au président de pouvoir l'afficher. Tout d'abord, la page Khmer 00082728. En anglais, 00026597. Alors, il s'agit d'une lettre adressée par Anne, le 1er août 1977, à la camarade Boone. Il est dit ceci, je cite, « Je vous propose d'envoyer des miliciens pour arrêter deux ennemis domiciliés au village de Strekpo, dont les noms suivent. Len, L-E-N, de Phnom Penh, et Sou, de la province de Mot Chuk. Ils ont envisagé de se réfugier au Vietnam. Ils ont été remis en cause dans les aveux de INH et Thorn, T-H-A, accent circonflexe N, que nous avions arrêté la dernière fois. Fin de citation. Est-ce que ces noms de Len, Sou, In, Thorn, qui n'étaient pas originaires de Strekpo, mais qui vivaient durant la période où vous étiez chef de commune, vous rappellent quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de leurs arrestations? ខ្ញុំដឹកអត់ឃើញអត់ស្គាល់ឈ្មោះនឹង
Peut-être que je devrais vous donner plus de détails concernant ces noms. Et il se trouve dans le document D157.13. La page en Khmer, c'est 00270847. En français, 00971307. Et en anglais, 01-06-41-90-91. Il s'agit d'un document établi à Krangtachat et qui résume les données recueillies à propos de ces prisonniers. Et on y apprend que le dénommé In s'appelle en réalité Kim In, qu'il a 32 ans et qu'il est dit qu'il était sous-lieutenant et comptable dans l'armée de Lon Nol. Il est accusé d'avoir fait partie du réseau de Ling Chiu et de Neng. En réalité, Kit Neng. Dans ce rapport sont mentionnés également les noms complets de Len. On voit qu'il est appelé Teng Len, et dessous, c'est Han Su. Enfin, concernant le dénommé Thorn, il s'agit de Val Thorn, une personne de 48 ans née à Kirivong, qui était lieutenant jusqu'en 1975. Maintenant que vous avez les noms complets de Kim In, Val Thorn, ainsi que Ling Chiu et Kit Neng, qui était pour ces derniers les chefs apparemment d'un réseau, selon en tout cas les cadres de Krangtachat. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous vous souvenez de ces arrestations-là? Aux réponses 202 à 205 de votre procès-verbal d'audition, vous avez dit à trois reprises que vous n'aviez pas reconnu la lettre précise que les enquêteurs, les juges d'instruction vous avaient montrée, qui était la lettre de Han, du 1er août 1977, dont on vient de parler, référence E3-2012. Par contre, vous avez dit que vous receviez ce type de lettre de Han. Je vais dire exactement, je vais lire ce que vous avez dit en anglais. Quote, question 202. Did your commune ever receive this kind of letter? Answer, yes. This letter was sent to Kim, K-H-I-M, who was in charge of the military. And Kim had to bring this letter to me. Question 203. Did you ever receive this kind of letter? Answer, yes, I did. Question 204. Do you recognize this letter? This letter has been copied from the original one. Answer 204. There was this kind of letter. However, I do not recognize the names in this letter. Question 205. Did you ever receive the same kind of this letter from Anne? Answer, yes. End of quote. Lorsque vous receviez une lettre de Han, le chef du centre de sécurité de Krangtachat, du district,
Est-ce que vous aviez le choix de ne pas obéir à ce qu'il demandait? Oui, lorsque vous recevez une lettre du chef de Krangtachan, donc de Anne, que vous connaissiez, vous avez dit que vous en aviez reçu quelques-unes. Est-ce que vous aviez le choix de ne pas obéir à ce qui était indiqué dans la lettre? Par exemple, s'il demandait d'arrêter des gens, est-ce que vous aviez le choix de ne pas le faire? Vous avez dit que vous aviez le choix de ne pas le faire de la lettre? Nhóm ăn miếng đại ban chạp mà nụ tế. Nhóm miếng sức ta rì ca tại bản nọc. Je ne dis pas que c'est vous-même qui avez procédé aux arrestations. Est-ce qu'il est arrivé que vous deviez promettre des gens au district à la suite de lettre de Anne? Je n'ai pas entendu la traduction. Est-ce que je pourrais avoir la traduction à nouveau? Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je vais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition. Toujours en anglais. C'est la réponse 206. I sent the people to Anne. And Anne carried out further actions. After receiving the letters, I had the villagers search for those whose names were written in these letters. But I do not remember whether or not the village found those people. Then, if the villagers found them, I would send them to the district office. Question 207. You had the villagers search for the people, meaning you had your militiamen arrest all of those people, correct? Your answer 207. Yes. I had the militiamen go down to the villages to search for those people, because the militiamen were not in the villages. Answer 208. After arresting the people, the militiamen sent them to the commune level first, because sometimes the people were not at one place. So they had to collect the people to the commune level first before they sent them to the district. Answer 209. The militiamen reported to me about the arrests, and then militiamen send them to the district. Question 210. Did the militiamen send the people to the district or to Krangtachan prison? Your answer, 210. It could be said that they sent those people to the prison straight away and reported to the district. Or they might have sent them to the district, because I'm unclear about that. End of quote.
Donc vous avez dit qu'après avoir arrêté les gens, les miliciens vous amenaient d'abord au niveau de la commune. Est-ce que la commune disposait d'un cachot ou d'un endroit où on pouvait détenir temporairement des gens avant de les envoyer au district? Est-ce que le district, dans ce cas-là, vous tenait informé de ce qui se passait dans votre commune, qu'ils étaient en train de rechercher des gens? Très bien, j'ai lu un long extrait de votre déclaration, Madame le témoin, concernant le fait que lorsque vous receviez des lettres de Anne, vous deviez procéder à la recherche de certaines personnes. Maintenant, vous nous dites également que le district venait sur place pour arrêter des gens. J'aurais une dernière question à propos de Krangtachan. Vous avez dit, plutôt deux dernières questions. Vous avez dit à la réponse 244 que vous avez entendu que des gens avaient été tués à Krangtachan, mais que vous ne l'avez pas vu vous-même. Est-ce que pendant le régime, vous saviez que des gens étaient tués au centre de sécurité de Krangtachan? Oui, ça je sais. Est-ce que vous avez entendu, comme vous l'avez dit dans la réponse 244, que des gens étaient tués à Krangtachan? À la réponse 247, vous avez dit que des gens qui avaient été envoyés à la prison de Krangtachan en étaient revenus et vous en avez parlé. Est-ce que vous pourriez être plus précise et nous dire quelles personnes avaient été envoyées à Krangtachan et vous en ont parlé? Est-ce que les noms de la vieille Nyor, Ye Nyor, ainsi que des membres de sa famille, comme Misarat, alias Rat, et le fils, l'autre fils de Ye Nyor, Misoka, alias Ka, vous disent quelque chose? C'était des gens qui venaient de la commune, du village de Srekro, dans votre commune. Est-ce que ce sont ces personnes qui vous ont dit ce qui s'était passé à Krangtachan et qui vous ont dit que des gens étaient tués sur place?
Est-ce que vous vous souvenez d'autres membres de la famille de Yen Yor, à savoir son mari qui s'appelait Miss Khun, ainsi que l'époux de Miss Sarat qui s'appelait Mom Beun? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été envoyé à Krangkachan? ខ្ញុំបានដឹងតែខ្ញុំមិនបានចាំសាច់រឿងអស់ពេលនោះថាមានខ្ញុំមិនចាំអស់ទេមានប្រដិតមេដៃហើយរំលាយសហគមន៍ភូមិស្រែកគ្រួនឹងចំនួនប្រមាណតិចខ្ញុំហើយក៏រាយការណ៍ទៅគេធ្វើរាយការណ៍ពីភូមិហើយក៏ខ្ញុំរាយទៅស្រុក Est-ce que vous avez entendu parler d'une réunion qui aurait été organisée au niveau du village de Srekour et auquel auraient participé Miss Khun et Mom Beun pour dénoncer la façon dont le chef du village gérait le village? Monsieur le Président, si vous voulez marquer une pause. បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយខ្ញុំចាប់ប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការលោកស្រីក្រុមបឿនរួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយសម្រាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 យើងចាប់ផ្ដើមបន្តនីតិវិធីនៃការសម្ណាការតទៅទៀតសូមជម្រាបសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកចូល